Bonsoir tout le monde. En fait, bon matin, il est 1h du matin, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Que je vous souhaite en avance de passer une excellente journée et une excellente fin de semaine. Faites attention à vous, passez une bonne journée là. C'est la fin de semaine, faites pas les malades. Ici Deadshot pour la 7ème partie d'Assassin's Creed Black Flag sur PC. On se souvient que dans la 6ème partie, on a acquis le manoir pour Edward. Et c'est notre nouvelle résidence. Donc c'est un beau manoir. Et dans ce manoir-là, il y a un garde-robe. Et ce garde-robe-là, dans ce garde-robe-là, il y a un habit. Et c'est l'habit d'Altaïr. Ça prend 7 clés en tout. On en a trouvé une. Et j'ai vraiment hâte de voir les stats que cet équipement d'Altaïr là donne. Mesdames et messieurs, 7ème partie à Assassin's Creed Black Flag. Dans la dernière partie, on a aussi beaucoup fait de chasse avec le navire afin de récupérer des matériaux. Du bois, du métaux, du sucre. Tous ces matériaux-là. Oh! Hey, ça fonctionne-tu? Donnez-moi 2 secondes, c'est un black screen. Je vais arranger ça tout de suite. Je vais l'avoir fermé sans faire exprès. Assassin's Creed. Où te caches-tu? J'ai tellement de jeux dans mon. Ok, ça s'en vient là. C'est pas vrai, non. Voyons, tu sais, j'ai mis ça. Je pense que je vais mettre tout simplement. Oh shit, ça marche pas. Tantôt, ça marchait. J'ai fait l'erreur de l'enlever comme un cave. Peut-être switcher de scène comme ça. D'arranger ça. Des bugs, ça peut arriver, ça peut arriver. Ce que je trouve bizarre, c'est que je le trouve pas. Je vais rajouter la source sur mon stream. Game capture. Ah, il était pas là. New source.
Screen capture. Aurais-je franchi. Ah, oh, add a new source instead, ok. Comme ça. Voilà. Désolé, c'est parce qu'il y a eu des modifications sur Streamlabs OBS. Et je ne suis pas vraiment habitué avec ces nouveautés-là. Comme ça. Et voilà, ça devrait fonctionner. Là. Ok, désolé de ce petit. C'est petit imprévu. Donc on avait terminé l'exploration de cette île au complet. On a des nouvelles quêtes aussi à faire. On va aller faire ça. Ouais. Nouvelle opportunité réussie. Là-dessus. Donc on peut améliorer aussi le bateau à partir de... ici. Pour accéder à la flotte. C'est vrai, on avait envoyé des flottes aussi. C'est quand même assez important ça. Donc 800, ça c'est parfait. Nice. Fais ça un objet à collecter. Bol en argent à 2 ans. Oh wow. Cool. Santa Luis. Cool. Ça aussi. Oh. Ville débloquée. Veracruz. Oh, un bracelet. Ok. Un bracelet antistatique. Easy. Oh, armoire cast. Oh, c'est vraiment beau. Est-ce que je pourrais le mettre dans mon manoir, s'il vous plaît? Là, il est bloqué, New York. Nice. Genre à quatre visages. Ok. Ok, fait que là, on a plusieurs... Atlantique du Sud. Admettons que je voudrais faire un combat naval. C'est dangereux. Probabilité de succès 0%. Ah, ici on a des chances. On va réparer celui-là. Comme magané un petit peu. On va réparer ça par 21 diamants. Pff, c'est pas ça. 100% de chance avec ça. Pas de boue. En bas, je voudrais pas en rajouter parce que. Probabilité de succès 100%, mais c'est quand même dangereux, fait. Devrais-je prendre la chance? Est-ce que je devrais en renvoyer un avec... juste pour être sûr que ça se passe bien. Ça dit probabilité de succès 100%, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi je pense que la HMS Royale va s'en sortir. Plus 22 diamants, that's it. Et voilà, on a diminué la situation, on a rendu ça un tout petit peu plus facile. Ok, HMS Royal a mangé quand même une popée volée. Oh, lui, il est vraiment lourd. On va le rappeler tout de suite. HMS Royal va faire le job. Ça me dérange pas que ça coûte 20 diamants à chaque fois parce que j'en regagne encore 20 après à chaque fois. Plus 10. Plus. Et ok, ouais. Tiens, on va rejeter le aussi avec. Avec Anna Sprite. Ok, 15 diamants, c'était pas autant que l'autre. Mais là, la situation est rendue sûre. Fait que je peux maintenant faire des chemins d'accès pour. Ici, ok, on a un festin de richesse. Nécessite. Oh, 1100. Ok, durée du trajet 8 heures, c'est parfait. Je vais aller me coucher, fait que
ça va prendre 8 heures, c'est perfecto. Oh, les probabilités de succès ici, ça va bien se passer. Ok, ça diminue selon le bateau que je prends. Ok, c'est parfait ça. Échanger quoi en 5. Ok. On va le réparer, juste au cas où. Je sais que c'est pas beaucoup de diamants, mais on prendra pas de risque. Voilà, on envoie ça là. Ah, j'ai pas assez de ces ressources là. C'est quoi ces ressources là? Je sais pas c'est quoi. Ok. Non, j'ai pas fini encore. J'ai pas fini ma flotte. Non, j'ai pas fini ma flotte, j'ai dit. La flotte. Ok, voilà la flotte. Ajouter ok. Oh, je pourrais ajouter des trucs ok. Oh, il est magané celle-là. J'ai l'impression que mes bateaux sont maganés, fait qu'on va les réparer. Ajouter un quai. Ah, ok, c'est pour rajouter un bateau de plus. Ah ben regarde, on va rajouter un quai. Tiens, on va rajouter un quai. On sait jamais ce qu'on pourrait remettre. Ok. Quai est disponible. Comment je ferais pour rajouter un bateau? Ok, ici, ça c'est correct, j'ai pas assez de ressources. Est-ce du Canada 2? Okay. Golfe du Mexique 4. On va. Ok, d'accord, on va pas faire ça là. On va s'assurer que les chemins de trajet sont corrects. On envoie-tu mon fameux HMS Royal? Ou Santa Luis? HMS Content. Ici, voilà, HMS Content 70. On va envoyer le. On va envoyer le HMS Content. Ouais, HMS Content, il va péter. Je pense même pas me faire toucher. Oh, ouais, j'ai attaqué avant lui. One shot. That's it. Next! 10 diamants, easy, plus 20, ah oui, on va pouvoir maintenant, ok ça c'est parfait, on va pouvoir aller à l'Atlantique du Sud pour faire le hors-la-loi 3, qui va aussi prendre 8 heures, je vais pas envoyer l'HMS content, ni l'HMS, ben, ça va prendre 5,50. Ça me donnait ça? 1200? Ok. Voilà. Donc, l'Atlantique du Sud, c'est fait. On a nos deux navires qui s'en vont là-bas. Je crois. Ouais, ok. Golfe du Mexique, qu'est-ce qu'on a? Oh mon Dieu, qu'on en a. Un parfum de fortune. Ok, ça on peut mal le faire. Débloquera la monte vidéo. Les échoppes de Veracruz manquent cruellement de vin et les habitants ont soif. Heureusement pour nous, ils sont prêts à délier les cordons de leur bourse. Alors remplir la nôtre en vendant 20 bouteilles de vin aux habitants de Veracruz. Alright, easy shit, on va faire ça. On envoie-tu la. Quel qu'on va envoyer. C'est quoi ça? Ok, ça veut dire qu'ils peuvent pas ramener. Ça veut dire qu'ils peuvent pas en ramener autant. C'est ça. On va envoyer mon HMS Royal. HMS Royal, il respecte le POC. Puis une bonne action. Fuck les bonnes actions. Ouais, parfait de fortune. Ça prend 15 fucking feuilles de même. Un riche habitant de Veracruz a permis de payer grassement les premiers marchands en lui portant du tabac de qualité. Ok, c'est ça, c'est des feuilles de tabac. Allez livrer 15 caisses de tabac au magasin de Veracruz et demander une aille. Aucune idée c'est quoi. 30 minutes, c'est pas beaucoup. Fait qu'on va envoyer. On va envoyer ça. Adriana Sprite. Je veux que ma flotte soit partie au complet. Diplomatie 1. Pas sûr. Qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Les matelots, ça c'est la merde. J'ai plus de.
J'ai plus de feuilles de tabac. Ok, ça c'est parfait ici. Colonie britannique de l'Est. On va faire un combat d'avant. Oh, des gros combats ici. HMS content, on va se faire raid. Ok. On n'est pas prêt pour ça. HMS content, il est pas content. Ah, ici je pourrais par contre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Colonie britannique du Sud. Les matelots. Bof. Bof. Qu'est-ce qu'on a ici? Mettre secret. Oh. Oh, mais ça, c'est dur. Ah, non, ça se paye. Je me suis content. On va peut-être manger une couple de volée. Mais. Je suis vraiment sûr qu'on va pouvoir envoyer la HMS content faire. Patrouiller là-bas. Je me suis content. On va en one-shotter un. Après ça, il va se faire taper. Ok, il a pas one shot. Oh, il a pas one shot. Donc, il tape bien trop vite, c'est sec. Et là, il va se faire attaquer. Finalement. Never mind. C'est moi qui se fais attaquer. Oh, ça fait mal à mon esti de bateau, ça. Ok, il est mort. 30 gemmes, that's it. Plus 20 melons d'eau, puis 25 graines bizarres. Ok, cool. Mon esti d'HMS content, il a mangé une poêle là-dessus. Là. Faut voir le réparer. Juste seul à lui, il est capable. C'est sick. De Schooner. Oh, il envoie déjà les barils. Ah! Petit baguette vers là. Bonjour. Oh, ça n'a pas tué, quand on est. Oh, qu'est-ce qu'il va tuer? Oh, ça n'a pas tué. Il a tiré deux fois avant que ça s'attaque. Ok, le chouneau va lui tirer les barils. Ça va faire mal encore. Malheureusement, ça va le mettre à moitié. Fait chier parce que ça, faut que je le répare tout le temps. Easy. Ok, 20 diamants, 20... Oh yes, du tabac. On va fumer des grosses cigarettes. Ok, cool. On a un remède secret à 4 heures. Ça c'est parfait ça. Les missionnaires venus s'installer sur la côte est cherchent des vivres bon marché. Heureusement, il paie bien. Apportez 20 sacs de riz aux missionnaires de la vieille chapelle de New York. Alright. On va envoyer la HMS content. Puis en plus, on va le réparer pour être sûr qu'il ne pogne pas un iceberg. Et voilà. Toute la flotte est en mission. Magnifique. La flotte est en mission. On peut désormais s'en aller. Squad. J'ai combien? J'ai 12 378 rubis. Je pourrais améliorer le jackdaw un peu aussi. Du côté coque, le rendre plus résistant. La coque, puis les canons. Mais on va voir, je pourrais pas l'améliorer un petit peu. On va aller voir. Là, on a vu la flotte. Maintenant, on va aller voir côté amélioration du jackdaw. Ah, ça c'est pas ici. Peut-être en fait. Non, c'est à côté, je viens de le voir, c'est à côté. La flotte de canoë. Ouais, c'est ici, ça change. Équiper le navire, commercer. Alright, amélioration du jet. Là, on peut maintenant s'approprier des meilleures protections. Oh my god, ça coûte cher. Pas assez de matériaux malheureusement. Pièces abordées, ça non plus. J'ai même pas assez. Ce matériau là, je sais pas c'est quoi. Pièces de chasse. J'ai toujours pas assez de ce matériau là. Un puissant éperon. Ce éperon permet au jackdaw de causer à un navire ennemi des dégâts en entrant en collision avec. Oh! Ouais, ça peut être bon, I guess.
ça peut être bon. C'est pas cher, c'est 500. Ça fait 600 dégâts aussi en même temps. On va le mettre. Un vrai bâton pirate doit avoir ça. Puissance boulet rond. Ok, ça c'est mes quinches tirs, ça. C'est boulet rond, j'en ai des dégâts importants à l'impact. Plus de dégâts. Ça c'est bon aussi. J'en ai 5. Médiation 15. Les mortiers sont déjà là. Ok. Le boulet explosif. Les barils explosifs en font 200. Oh lord, ils font mal, ça va être un dégâts considérables à l'impact. Entreposant le boulet explosif. Oh! Ok, j'en aurais plus dans le fond. Ça va en tirer plus. Non, c'est pour les boulets explosifs. Ok. Pour mortier, plus de munitions pour mortier. Elle permet au Jackdaw de transporter une grande quantité de chaque type de cargaison. Oh, ça c'est important. Je sais pas c'est quoi la limite que j'ai en ce moment. Mais je pourrais bien l'augmenter un petit peu, I guess. Comme ça, on va anticiper. Protection de chaloupe. Cette chaloupe résiste à un nombre. Cette chaloupe résiste à un nombre important d'attaques des proies. Ça, c'est contre les requins. Je vais garder mes matériaux pour ça. Ça aussi, on s'entend. Ok, good. La part du Jackdaw, ça c'est pas vraiment important. C'est juste pour look. Voilà, en cuivre. Ça améliore-t-il quelque chose? Non. Ok, voilà. On va voir notre nouveau Jackdaw, quoi qu'il ressemble. Mortel maintenant. Good. Alright. En même temps, je vais aller voir les shops. Je devrais aller voir pour un nouvel équipement pour mon bonhomme. Mes épées sont vraiment, vraiment bonnes. J'aurais pas besoin d'y changer, je crois. Eux qui sont équipés en ce moment, c'est. Rapière d'officier qui font 5, 4, 3. Qui est probablement les meilleurs épées en ce moment. Tenue. Bon, les tenues ça donne pas plus de bonus. Les tenues donnent pas de stats, heureusement. Ok. Le capitaine est à la barre. Cap, capitaine. C'est une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits Anglais. Si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois, des. Tais-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Master Kid a fait allusion à une prise. On peut bien se warm up un peu avec. Tout au loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous? J'en sais rien. Mais ce Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. L'équipage, je vais mettre le cap sur Toulouse. Bombardement! Ok, on en a donné un déjà. Qui pense s'enfuir, hein? Il pense s'enfuir. Ok, on va pouvoir s'enfuir. Je vais le rattraper avec un peu pour ça. Il était chercher ses bros. Ah, c'est
Si j'en ai plus de mortier. Oh non! Fuck. T'en sais pas! Ok, nice. J'étais sûr que j'avais rentré dans un... dans un rocher. Quand même assez dangereux. J'en fais à peine assez de dégâts. Oh non, il m'attaque avec! Non, 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 le, non. Mais ils m'ont. Non. Il y avait 3 bateaux sur moi. Ça, c'était trop. Le cap, capitaine. Une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voiler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. S'il y avait 2 briques level 20, il y avait comme un chouleur un peu plus bas niveau avec. Mais après ça, il y avait un autre brick level. Je pense qu'il y avait un autre bateau, mais je sais pas trop quel avec. Mais il était dans mon nom. Mais ce qui donne chic pour me poser des problèmes de conscience. Il vaut mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Touloum. Je sais pas ce que je m'en vais. Ça serait. Faut aller. Oh là-bas. C'est loin quand même. Brick level 20. 17. Way up, he lost his nerve, he had an awful night.
to jump the five off him, to land it in the ring. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. This wonderful old ram, sir, he grew two arms abreast. One grew out of his shoulder blade, the other turned into a mast. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. The crew of the good ship Jack Tide, handsome, dog and brave. The finest crowd of sailors had ever sailed over the wave. That's a lie. On va mettre un waypoint. On va mettre ici, moi. Des shooters. Ça arrête d'attaquer. Oh. Attends, on va tester mon nouveau. C'est la one shot! Un moment! C'est la fucking one shot, man. En même temps, c'est bon. Yup. Un petit warm up. Ok, ça me redonne. Okay. On a trouvé de quoi renforcer notre navire, capitaine. Good. Hey boy, y'en a des bateaux là-bas. Break. Break, 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 break. Je vais explorer toutes ces îles. C'est quoi, c'est un gros fort full protégé, ça? Ibarra? Ah, c'est quoi ça? Convoi naval. Ça m'intrigue un peu, on va aller voir ce que c'est. On le voit pas d'ici. Allez, on y va. On va aller voir ce que c'est. Attention, choc!
par contre, ça va être pas mal. Oh, la grosse wave! La vie ne s'en va pas! Run! Bon, 29, c'est bien. Oh! Il me semble qu'on était pas dans... Oh my god! Man! Comment il fait pour tirer par en avant de même des boulets de canon? On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Okay. Ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait trouver un petit bateau pour pouvoir réparer une autre bateau. Pour continuer à mettre ce style-là. Il est beaucoup trop puissant. Au jeu, non, je... Un quoi? C'est quoi ce bateau? Oh shit. Oh non!
sortir de la zone d'avant. Passez proche. J'ai jamais vu autant de bateaux autour de moi. J'en attaque un là, les 15 vont se retourner contre moi. Fait que je suis mieux de pas l'attaquer dessus. On dirait qu'ils sont tous en train de se suivre entre eux. J'aimerais ça en attaquer juste un pour réparer mon bateau. Parce que mon bateau il commence à être magané. Manger bien sur des gars. À cause de ce navire naval niveau 29 qui est pas mal plus trop haut niveau pour moi. J'ai quand même essayé d'eau. Ok! Envoyez la convoi. Ils ont fait des gros dégâts. Prends-en
à aborder ça. Le combat de Mélie, j'étais trop lourd, fait les tirs par là. Ok, on va pouvoir réparer notre navire. En même temps, ça fait un chasseur de pirates de moins. Pas vraiment besoin de faire de dame sonore. On va en faire pareil. Ok, why not? Je sais que c'est un bon navire, alors prouvez-le moi! Allez, nous isolez la toile! De la chair bien fraîche, je vois bien les toucher! Tenez-vous prêts! Au grappin! Il veut nous fausser compagnie! Tire, capitaine! Il n'aime pas ça! Je tiens, maudit poisson! Il n'aime pas ça! Le
cordage a cédé! Où est-elle passée? Il vient vers nous! Par tribord avant! Amarrez-le! Il tire, capitaine! Le requin est touché! Ce requin est presque mort! Ce démon a cassé le cordage! Il vient vers nous! Par tribord avant! Attention! Cet animal est dangereux! Là! Par bâbord, avant! Voyons. Oh, on arrive au bout de nos harpons, capitaine! Le cordage est amarré, capitaine! Allez, on le ramène! On le tient! Pour ce poisson-là! C'est un poisson, ça. Bien joué, capitaine. Andris, cargué. Je mets de la toile, prenons un peu de vent. À mon bonnet, je mets de la vitesse. Ça prendrait des mortiers, j'aime ça, des mortiers. Moi, j'en ai plus, regarde. Ah oui, il m'en reste un. Juste un. Pas assez. Fort naval. J'ai aucune idée quel niveau qu'il va être. Ça flash en tout cas. Oh shit. Tu m'as dit gars. Ah, 16. Son point faible, c'est là qu'il faut tirer. Bon, on est paré, capitaine. Ouais, dans le monde. Ouais, dans le monde. Touche-le au bon endroit, il va disparaître. Bon, prêt à faire feu. Attention, nous avons un tir.
Yes! Parce qu'on l'a eu. Zone interdite. Oh my god. Non. Ok. Oh non. C'était une drôle. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais un genre d'assassinat de ce genre. Ok, c'est bon. Ok, avant de... aller plus loin, je vais prendre les fragments. Ok, un chest. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans... sur cette île? Il y a un keybind qu'on peut faire pour voir ça. Oh, il y a un coffre ici. Mon esti. Et voilà, on sécurise cette zone. Ça nous... Ah, oh, ça nous indique en plus où sont les fragments d'Animus ainsi que les... Oh! Puis ça, c'est quoi? Une caverne? Jingé, qu'est-ce que c'est? C'est une fonte. Oh, wow! J'aimerais ça explorer tout ça, man. C'est vraiment, vraiment nice. Ok, fait que tout ce qui est... Oh, ça, c'est quoi? Navire légendaire! C'est quoi un bateau fantôme, genre? Ok, on va le laisser faire, hein. Je pense qu'on n'est pas capable de battre un Steel Brick level 17 des fois, fait que. Je pense qu'on va le laisser faire, on n'est pas prêt encore. Ça, c'est quoi? Great Inagua, qui c'est là qu'on habite. Very good. Ça, c'est bon. Crooked Island, ça, c'est fait. Lagon Salé, c'est fait aussi. Ça aussi, good. Oups, je l'ai pas.
là on est allé. La Backwoodland, certain qu'on est allé. Ici on n'est pas allé. Ouais, on est allé. Nassau, il restait une couple d'affaires à faire. Des points intéressants à trouver, mais ça c'est pas. C'est quoi? Ah, ok, c'est des fragments, les points d'interrogation, right? Ça, c'est quoi? Ok, non, c'est pour. Ok. Chest. Qu'est-ce qu'il restait dans cette zone-là que j'ai pas fait? Il restait 3 fragments d'animus, beaucoup de chests, puis on a une popée à fond aussi. Hey, cool. Oh, il y a un fort ici. Ah, ah ouais. Ouais, ici, ça demandait de faire un contrat naval, mais le navire était beaucoup trop puissant pour nous. Fait qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé faire ces petites affaires. Ça, tu veux qu'on te laisse tranquille, mon ami? Ouais, s'il vous plaît. En fait, pas vraiment. On laisse. En que puedo ayudarlo hoy? Ah, commerce. Ah, oh, mille fermes. Oh oui, 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 oui. Ça, j'en ai besoin de remplir. Juste 5. Faudra qu'on fasse le plein. Poulet explosif, ça c'est bon, ça c'est correct. Good! On va savoir plus de place pour les mortiers. Comme ça. 6 maintenant. Ça être plein en. Quel destin dans la sonnerie? Si on sort tout seul de mortier que je trouve quand même assez. La soie sur la vague. Ça. 200, c'était 2. Attention, comme ça, j'ai entendu parler d'un transport de marchandises plus qu'illicite. Mettez la main sur cette cargaison, je verrai personnellement à sa destruction. Signé Milo van der Graaf, honnête marchand et ami. Ok, let's go. 1200, why not? Et voilà! Je pense qu'on l'a déjà fait. Easy shit, mission accomplie. What the fuck? Je l'avais déjà détruit, quoi. Thanks! j'ai rien fait. Ah, sûrement un navire, j'avais déjà détruit. J'avais déjà les matériaux nécessaires qu'il demandait. Ouais, ça fait un contrat d'assassin. Ouais, cool. Qu'est-ce qu'il reste sur celle-là à faire? Qu'il y avait un keybind avant que je pouvais faire. Parce que là, je sais plus c'est quoi le keybind. Ok, c'est ça. Il manquerait un coffre. Un coffre. Il est là. Pas loin, comment? En vraie vie, il serait éclaté de tibia. Coach! Alguien là. A partir du seso. Alguien là. Ok,
nice, c'est fait. Hey, c'est qui? Rick. Faut que j'entraîne. Profitons de cette brise, les gars! Prêt à faire face, c'est un brick! Des Espagnols! Un navire isolé, capitaine! Ils sont sur notre terre! Prêt à faire face! C'est là, capitaine! C'est là qu'il faut tirer! Fuck, on les a détruits? C'est ça que je voulais. À vos espars! Je veux de la toile! Je pense que c'est le fort qui les a vraiment. À bâbord, capitaine! Je vois du putain à la dérive, capitaine! Plus de toiles! Toutes les voiles! Toutes les toiles! Vivement! Carguez les huniers! Attention, pis ici, c'est quoi? Ça ici? Je vais voir ce que c'est. Je dis qu'on a beaucoup d'exploration à faire dans ce jeu-là. C'est une bricks qui s'en vient vers moi. Absent de la carte. Je veux pas vraiment aller ici. C'est juste qu'il y avait un fragment d'Anubis, puis quand je vois un fragment d'Anubis près, je le prends.
ça reste une zone interdite ou encore. Oh. Se confirme une grosse mélange. Il faut maintenant raconter mon éloignement. Ah, ok. Commencez à aller. Solo! Je vois qu'est-ce qu'il y a dans les repères de contrebande. On n'a qu'à se faufiler juste avant l'aube, comme l'autre fois, et piquer tout le rhum qu'on pourra, pendant que le capitaine ronfle comme un sonneur. Le chien en... pour zoomer. Attends, il y a un moyen. Je veux que je monte ça à Dark. Il va bien capoter.
m'en sors, tu vas me faire des... Jeunesse fout le camp dans cette grotte, comme si quelqu'un allait nous chercher. Excellent loot ici. Ça, je pensais qu'il était comme en haut. Ok, nice. Et voilà. Jiggy, ça c'est fait. C'est nice comme endroit. On regarde le navire. Ok, c'est cool comme endroit. Hein? Donc c'est une zone interdite, on a pris contrôle de la zone pareil. Qu'est-ce que l'autre? On va aller ici. Et dans la prochaine partie, on va débloquer l'autre fort. Comme ça, on va débloquer une zone de la map. Et en même temps, on va sécuriser ce... Oh, ça, c'est bon. Ouais, j'avoue, vu qu'on est proche du fort, c'est vrai que ça serait une zone interdite. C'est vrai. Je pense même que Nassau va être plus que dans. Voilà Nassau, c'est plus que dans. Ouais, c'est ça. Dans la prochaine partie, on va pouvoir aller débloquer l'autre fort qui se trouve juste à droite.
à l'ouest de Nassau. Et comme ça, on va pouvoir débloquer cette partie de la map et sécuriser la zone avec le fort qui défonce les briques. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette 7e partie d'Assassin's Creed Black Flag pour une bonne partie de 1h22 minutes. Ça passe tellement vite qu'on joue à ce jeu-là, je vois même pas le temps passer. On a envoyé tous nos navires faire une flotte. Ils vont être là dans une bonne couple d'heures, au moins 5-6 heures. Donc, mesdames et messieurs, ça va être ça qui conclut notre 7e partie. Ah, il commence à pleuvoir. On a fait beaucoup de combats navals. Exploration d'île, quelques améliorations du Jakdaw, et on a fait quelques forts aussi, on a débloqué des zones qu'on n'avait pas débloquées auparavant, et là on va débloquer celle-là ici prochainement. Eleutera, ça va être celle la prochaine. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez passer un bon vendredi, faites attention à vous, j'espère vous revoir, et surtout, keep on!